Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Il est minuit dans l'horloge. Il est minuit à l'horloge de Dieu. Et nous devons nous préparer pour le retour du Mashiach. Il est effectivement minuit à cette horloge et nous devons être prêts, prêts pour le retour du Maître des Maîtres, Yeshua, le Messie. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour ta présence. Merci pour ton nom qui est élevé. Seigneur, nous voulons te confier cette soirée, cette émission. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour ta vérité qui nous a franchis. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Père très saint, nous te confions toutes choses. Au nom de Yeshua. Amen. Yeshua revient. On va en attendant prendre un passage dans le livre d'Ésaïe 35, à partir du verset 1er. Le désert et le lieu aride seront dans la joie. Le lieu solitaire se réjouira et fleurira comme une rose. Il fleurira abondamment et se réjouira, se réjouissant même et chantant en triomphe. La gloire du Liban lui est donnée avec la magnificence de Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de Yahweh et la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains lâches et affermissez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera en triomphe. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans le lieu solitaire. Et les lieux secs deviendront des étangs, et la terre desséchée deviendra des sources d'eau. Et dans les repaires où des dragons faisaient leur gîte, il y aura un parvis à roseaux et à joncs. Il y aura là un sentier et un chemin qu'on appellera le chemin de sainteté. Celui qui est souillé n'y passera point, mais il sera pour cela. Celui qui va son chemin et les insensés ne s'y égareront point. Là, il n'y aura point de lion et aucune des bêtes qui ravissent les autres n'y montera et ne s'y trouvera. Mais les rachetés y marcheront. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Voilà. Alors, le verset 10 est un verset très, très fort que je veux relire. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Voilà. Donc, le prophète Ésaïe dit ici que Yahweh allait payer la rançon. La rançon est pour certaines personnes. Vous savez, chez les Hébreux, comme vous le savez certainement, hein, seul un proche parent pouvait, n'est-ce pas, payer la rançon pour lui, pour quelqu'un. Pour racheter quelqu'un, il fallait à tout prix être de la même famille que lui. Nous avons un bel exemple dans l'histoire de Ruth et Naomi. Naomi qui se retrouve n'est-ce pas, dans le pays de Moab, avec son mari et ses deux enfants. Quelques années après, son mari va mourir, ses deux enfants également, ses deux fils. Et elle reste seule avec ses deux belles-filles. Et elle va retourner à Bethléem avec Ruth, l'une de ses belles-filles. Et Naomi va tout faire pour que Ruth trouve un mari. Et elle lui a trouvé effectivement Boaz qui était, n'est-ce pas, un parent proche du mari de Ruth, de Naomi.
Et Boaz va avoir le droit de rachat. Et il va, n'est-ce pas, payer le prix. Il va racheter Ruth. Et Ruth va devenir, n'est-ce pas, son épouse. Et nous avons ici une belle allusion à l'œuvre de la croix. Il fallait à tout prix que quelqu'un paye la rançon pour nous. Paye le prix pour nous racheter. Or, cette personne-là devait être comme vous et moi, de la même famille humaine que vous et moi. Et on nous dit ici que Yahweh allait payer notre rançon. Or, Dieu étant esprit, il, n'est-ce pas, ne pouvait pas payer la rançon en tant qu'esprit. Il fallait qu'il devienne homme comme vous et moi. Et ce verset d'Ésaïe 35, le verset 10, confirme que Yeshua, qui a payé en fait notre rançon, est bel et bien Yahweh. Donc Jésus est Dieu, Jésus est le Tout-Puissant. Parce que il n'y a pas deux personnes qui pouvaient payer la rançon pour quelqu'un d'autre. Et avant de prendre la personne qui est au téléphone, nous allons rapidement aller dans Psaume 49. Psaume 49. Frères et sœurs, écoutez bien cette exhortation. Après, je vais répondre aux questions des frères et sœurs. Nous sommes dans Psaume 49. Voilà. Le verset 8. Psaume 49, le verset 8. Un homme ne peut racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Pardon. Car le rachat de leur âme est trop coûteux et il ne se fera jamais. Waouh! Écoutez bien, on va relire encore le verset 8. Un homme ne peut racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Donc déjà la rançon, on la paye à Dieu. Donc dans Ésaïe 35, 10, quand Ésaïe le prophète dit que Yahweh allait payer notre rançon, il allait la payer à lui-même et non à Satan comme certains enseignent. Non. Et pour payer la rançon pour quelqu'un, il fallait à tout prix, absolument, être de la même famille que la personne que l'on veut racheter. Or, Dieu est esprit et les humains qui ont besoin d'être rachetés, qui avaient besoin d'être rachetés, n'étaient pas, mes amis, des esprits comme Dieu, qui est esprit sans corps physique. Et donc, il aurait fallu que Dieu devienne de la même famille que nous pour prétendre, hein, n'est-ce pas, nous racheter. Et c'est pour cela, mes amis, les Écritures dans Hébreux, chapitre 2, que nous allons lire, d'abord, vous avez vu ici dans le psaume, il est dit qu'un homme ne peut pas racheter son frère, ni donner à Dieu, hein, payer à Dieu la rançon pour racheter son frère, sa famille. C'est impossible. Parce que la rançon que Dieu exigeait, mes amis, était au-dessus de nos moyens. Et d'ailleurs, la parole le dit au verset 9, car le rachat de leur âme est trop coûteux et il ne se fera jamais. Ben oui, parce que la rançon que Dieu exigeait pour le rachat de nos âmes était impossible à payer par les hommes. Or, ce sont les hommes qui avaient besoin d'être rachetés. Et il fallait aussi un homme pour racheter les hommes. Et on nous dit qu'un homme ordinaire ne peut pas racheter son frère parce que tous sont pécheurs, tous sont atteints par le péché d'Adam et Ève et tous avaient besoin d'être rachetés par un autre homme. Mais cet autre homme-là n'était pas sur terre. Et c'est pour cela que Ésaïe disait que c'est Yahweh lui-même qui allait nous racheter, payer la rançon. Alors nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, mes amis, que Dieu soit béni, à partir du verset 14. Regardez bien. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, de même, a participé aux mêmes choses, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Le verset 15, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Car en vérité, il n'a nullement secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham.
C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. En effet, parce qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Waouh ! Donc, Dieu, Yahweh, est devenu homme pour racheter les hommes que nous sommes. Ça, c'est magnifique. Waouh ! C'est pour cela qu'on nous dit que le mystère de la piété est grand. Dans 1 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair. Dieu qui est esprit, la parole qui est esprit, est devenu chair, est devenu un homme, comme vous et moi, pour nous racheter. Donc, il n'est pas mort à la croix en tant que Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Il est mort à la croix en tant qu'homme, pour nous racheter. Regardez, mes amis, et Galates 1. Seigneur, merci pour ta parole. Galates chapitre 1er. Nous lisons et le verset 5. Verset 4, pardon. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent âge mauvais selon la volonté de Dieu notre Père. Donc, il s'est donné lui-même, Yahweh, il est devenu homme. Pourquoi ? Pour nous arracher, littéralement nous déraciner du présent âge, du monde actuel, des liens familiaux, des liens ancestraux, des maladies ancestrales, des maladies familiales, de la sorcellerie, de l'envoûtement, des péchés de nos parents, des péchés de nos ancêtres, des liens, tout ça là qui nous retenait dans le péché. Dieu est devenu homme, Yahweh est devenu homme pour nous acheter, pour nous libérer, pour nous acheter, nous délivrer de toutes ces choses-là. Il a payé quelle rançon ? Parce qu'il fallait du sang pur, il fallait un sang pur, comme vous le savez. Et seul le sang de Dieu pouvait, n'est-ce pas, être accepté. Et c'est pour cela que Paul nous dit que l'Église est rachetée par le sang de Dieu dans Actes 20, 28. Dieu a versé son sang. Mon frère, ma sœur, toi qui pleures, toi qui souffres, toi qui es combattu, toi qui es attaqué, toi qui es chrétien, qui pleure, toi qui es disciple du Seigneur Yeshua, ne pleure plus. Tu as été racheté. Le Seigneur, notre Dieu, Yahweh, a payé ta rançon. Aucun ennemi ne peut t'empêcher d'aller vers le Seigneur. Tu as été racheté. Tu as été libéré. Vous savez, Paul utilise plusieurs verbes pour parler de notre rachat. Il parle d'un verbe, n'est-ce pas, hexagorazo. Hein? D'abord, il parle d'agorazo, agorazo, être vendu, nous étions vendus au péché. Et hexagorazo, être délivré de ce marché. Et il parle d'un autre verbe, luo, hein? Luo ou luo, c'est être, n'est-ce pas, libéré, délivré. Donc nous avons été non seulement achetés par le Seigneur au marché où nous étions vendus, il nous a aussi extraits de ce marché, hexagorazo, et il ne nous a pas seulement extraits de ce marché, il nous a également délivrés, déliés du péché, de la malédiction familiale, des liens familiaux ancestraux, et le Seigneur a accompli parfaitement l'œuvre de la croix. Et c'est pour cela que nous disons que Yeshua est vraiment, ce n'est pas seulement nous, hein, la Bible, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, notre Maître, notre Père, parce qu'il est venu, il a payé la rançon. Et s'il nous a, comme il nous a payé, il nous a libérés, qui peut encore nous condamner? Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui? Nous sommes libérés, rachetés, délivrés. Donc Yahweh a payé la rançon. Il nous a rachetés, il est devenu homme comme vous et moi. Il s'est identifié à nous. Il a pris nos péchés sur lui. Et c'est ça le mystère de la piété. Quel amour! Ça, c'est le paroxysme de l'amour de Dieu. C'est quoi? La croix et l'apogée, le paroxysme de l'amour du Père pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Oh, si tu le savais. Ne pense pas parce que tu souffres, parce que tu pleures, parce que tu te retrouves seul, incompris, que Dieu ne t'aime plus. Non, Dieu t'aime. C'est ça le message de ce soir. L'amour de Dieu pour toi, pour les hommes. Cet amour a conduit Dieu à devenir homme pour payer ma rançon, ta rançon.
Donc du coup, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Dieu, mon frère. Regarde dans 1 Corinthiens 7, verset 23. Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Vous avez été rachetés. Vous avez vu, hein? La parole nous dit que le rachat, dans Psaume 49, le rachat de leur âme est trop coûteux et ne se fera jamais. Ben oui, aucun homme ne pouvait nous sauver. C'est pour cela que Yeshua, Dieu, Yahweh, est devenu homme. Homme. Il a dit aux apôtres, touchez-moi. Un esprit n'a ni os, ni chair, comme vous voyez que j'ai. Oh, quelle grâce. Comment le Dieu Tout-Puissant est pu devenir homme? Juste pour nous. Waouh! Il est descendu juste pour moi. C'est ça, la différence entre nous et les autres religions. C'est que dans les autres religions, leurs dieux, qui sont bien sûr des démons, sont restés dans leur coin. Mais notre Dieu à nous est descendu vers nous. Waouh! Père, sois glorifié. Et non seulement qu'il est devenu homme, mais il a souffert à la croix. Il a été flagellé. Il a reçu plusieurs coups. Il a reçu des coups de poing au visage. Il était défiguré. Ésaïe 53 nous dit, méconnaissable, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout ça pour payer notre prix. Payer le prix pour nous acheter. Quelle grâce, quel amour. Alors soyez fortifiés, soyez encouragés. Jésus est vraiment Yahweh qui a payé notre rançon. Ben oui, on va relire encore Ésaïe 35, le verset 10. Ésaïe 35, verset 10. Vous avez vu, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est vraiment Yahweh. C'est lui notre Dieu. Notre message, notre objectif, c'est quoi? C'est de vous présenter le Dieu véritable. Voilà, regardez bien le verset 10. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Ben oui, ceux qui sont rachetés vont être dans la Nouvelle Jérusalem pour l'éternité et la souffrance va disparaître. Yahweh a payé la rançon, mes amis. Vous rendez compte, frères et sœurs? C'est Yahweh lui-même ici qui a payé la rançon. Et celui qui a payé la rançon, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2. Seigneur, merci pour ta parole. Regardez, mes amis, vous-même ici. Regardez le verset premier. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur. Un défenseur, waouh, ou un avocat. Auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car celui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Waouh, quelle grâce. Quelle grâce. C'est lui la victime. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la lumière qui nous éclaire. Regardez bien, mes amis. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Et Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1er. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ainsi que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nos péchés comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Il est devenu homme parce que la rançon, c'est Yahweh qui devait la payer. On l'a vu. Or, cette rançon exigeait un sang pur. La justice de Dieu est telle que celui qui tue, on devait la tuer. La personne qui tuait devait être tuée. Et il fallait du sang pur pour satisfaire, pour répondre aux exigences de la justice divine. Et il fallait un sang pur. Et Dieu a cherché dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'avait ce sang-là, à part lui-même Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, qui est Yahweh, est devenu homme et il a payé la rançon au Père, c'est-à-dire lui-même. Mais ça, c'est un mystère. Le mystère de la piété qui a été révélé. Dieu est devenu homme et il a pris son sang et il se l'est offert lui-même. Parce que on nous dit qu'il s'est livré lui-même pour nous.
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Vous voyez, seul ce sang-là était de bonne odeur. Ce n'était pas le sang d'un prophète ou de Chorakwetu ou d'un homme quelconque. Non, le sang de Dieu. Et Jésus est Dieu. Il fallait le sang de Dieu. Et Jésus est Dieu, frère. Regardez Actes chapitre 20, verset 28. Jésus était une offrande de bonne odeur, agréable pour nous. Regardez. Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Oh Seigneur, oh mon Dieu, mon frère, ma sœur, je veux que tu saches que tu es l'acquisition de Dieu. Alléluia. Je suis l'acquisition de Dieu. Vous ne pouvez pas me tuer. C'est impossible. Non. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, ni vous qui aimez Jésus. Personne ne peut vous tuer si Dieu lui-même ne dit pas « Le temps de mon enfant est arrivé pour qu'il rentre à la maison. » Oh Seigneur. Il a acquise l'Église par son propre sang. Et qui a versé son sang à la croix? Jésus. Et Jésus est Dieu. C'est pas moi qui le dis. Donc c'est le sang de Dieu qui nous a achetés, qui nous a acquis. Et Pierre nous dit quoi? Vous êtes la nation sainte. La nation sainte, le peuple acquis. Alors, nous sommes l'acquisition de Dieu. Et quand on a acquis quelque chose, mes amis, personne ne peut le voler. C'est fini. C'est fini. Satan aurait dû nous tuer hier. C'est fini. Nous ne tomberons pas dans les histoires des femmes, d'argent, parce que nous sommes l'acquisition du Seigneur. Nous confessons cela. Nous appartenons à Dieu qui a payé la rançon pour nous. C'est trop tard, sorcier. Vous êtes déjà vaincu. C'est trop tard, vous qui faites des réunions pour nous détruire. C'est trop tard. Vous avez déjà échoué quand Jésus-Christ a dit, tout est accompli. C'est fini. La rançon a été payée. Voilà. Quand vos ancêtres vous réclament là, eh ben, faut leur rappeler que le sang a coulé. Vous êtes rachetés. C'est fini, c'est trop tard. Alléluia, nous sommes libres. Le peuple libéré par le Seigneur Yeshua, notre maître. Que Dieu soit béni. C'était juste une exhortation pour vous encourager, pour vous démontrer que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il est notre rédempteur. On le présente comme le rédempteur, mes amis. C'est pas moi. Les Écritures le disent. Il s'est identifié à l'humanité pour pouvoir nous acheter, nous racheter, parce que seul un parent pouvait acheter, racheter, n'est-ce pas, un membre de sa famille, comme Boaz, qui avait le droit de rachat hein, sur Ruth. Voilà. Et Dieu, qui est esprit, pour pouvoir nous acheter, nous racheter, nous délivrer, pour pouvoir payer notre rançon à lui-même, eh ben, il s'est identifié à l'humanité. C'est pour cela que Dieu est devenu homme. Et c'est pour cela que nous vous disons, selon les Écritures, que Jésus-Christ est lui-même le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est lui-même le Dieu Tout-Puissant. Et il s'est payé la rançon à lui-même. Ben oui, parce qu'il fallait du sang pur. Et son sang, on nous dit que c'est le sang de Dieu. Eh bien oui, il est Dieu Tout-Puissant, Yeshua. Que Dieu soit béni. La rançon, on l'a payée par Satan, parce que Satan, qu'est-ce qu'on va payer à Satan? Non, rien. Non. Dieu voulait une rançon, Dieu voulait une offrande agréable. Eh bien, il a agréé l'offrande de son Fils, qui est lui-même Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Donc, voilà, il fait ce qu'il veut. Que Dieu soit béni, mes amis. Jésus-Christ a payé la rançon, et c'est lui, Yahweh. Et j'aime beaucoup ce passage d'Ésaïe 35, hein. On va le revoir encore là, mes amis, c'est beau. Yahweh va payer la rançon. Mes amis, c'est beau. C'est beau. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle sera sur leur tête. Vous vous rendez compte? Et nous sommes retournés. On a bien dit que ceux pour qui Yahweh va payer la rançon vont retourner en Sion. Eh bien, bah oui, frère, parce qu'au début, on était là, hein, à Sion. Adam et Ève étaient dans la gloire de Dieu. Ils ont été chassés de la cause du péché. Eh bien, nous allons retourner chez nous. Voilà, on revient à la maison parce que la rançon a été payée. Le sang pur a été coulé, hein, a coulé, pardon. Donc, il a été répandu. Ben voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Donc, Yahweh qui a payé la rançon, eh bien, c'est Jésus-Christ. Donc, vous voyez, nous voulons à chaque fois vous révéler Christ,
vous présentez Christ, car c'est lui qui sauve, c'est lui notre Seigneur, notre Dieu. Voilà, que Dieu soit béni, mes amis. Yeshua est notre Dieu et notre Seigneur. Nous voulons vous encourager, soyez fortifiés, encouragés, que Dieu vous garde. Voilà, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, tu peux vous poser une question, s'il vous plaît. Oui, j'entends mal. Oui. Bonsoir. Là, oui. Allô, bonsoir, tu peux vous poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Je voulais demander en quoi consiste le service d'évangéliste, s'il vous plaît. En quoi consiste le service évangélique? Oui, oui. Ben, en trois choses. Premièrement, en l'adoration. Ce que Dieu veut à tout prix, ce que Dieu veut d'abord, c'est l'adoration. Que les hommes l'adorent. Jean chapitre 4, donc verset... À partir du verset 22 jusqu'au verset 24, on va le lire. Voilà. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ce que Dieu cherche, ce sont les adorateurs, et non des prédicateurs. Il veut d'abord que nous soyons là pour l'adorer. L'adorer, c'est adorer Dieu, c'est lui consacrer notre vie. Voilà. Marcher dans la sanctification, être agréable à Dieu. Et tout cela vient de lui-même, bien sûr, tout est grâce. Et ça, c'est la première chose que Dieu veut. Et ça, c'est vraiment le service principal que Dieu veut. D'ailleurs, ça correspond à cette loi qui dit que nous devrions adorer Dieu, hein, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, notre pensée et tout ça là. Et donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Et la deuxième chose que Dieu demande, c'est que nous soyons dans la communion avec les frères et sœurs, avec ses autres enfants, parce que nous sommes dans un corps, voilà, avec les vrais enfants de Dieu, des vrais disciples du Seigneur Yeshua. Et qui sont dans le monde entier. Hein. Il y en a que nous ne connaissons pas forcément. Et Dieu peut permettre à ce qu'on les rencontre. Et avec ces gens-là, avec ces frères et sœurs, on partage la parole du Seigneur. On s'encourage, on s'exhorte les uns les autres. Donc la communion fraternelle. Voilà. Et la troisième chose dans le service évangélique que Dieu veut, c'est le témoignage, l'évangélisation. Être des témoins dans le monde. Dans 2 Corinthiens 3, Paul dit que nous sommes des lettres de Christ. Hein, donc nous devons être des modèles dans le monde. Et 1 Pierre 2, 12 nous dit que nous devons avoir une bonne conduite vis-à-vis des inconvertis, hein, à l'école, au travail, comment nous devons nous comporter, être corrects avec les autorités notamment, respecter la police, respecter les gendarmes en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Et honorer ses parents, aimer ses enfants, être correct dans la vie. Voilà, donc être un bon citoyen et un modèle. Un modèle de simplicité, d'amour, de respect, de simplicité, d'humilité, tout ça. Donc, pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu voient notre bonne manière de vivre et louent, hein, glorifient le Seigneur le jour où ils seront touchés. Voilà, donc c'est ça en gros le service évangélique. Être des adorateurs. Deuxièmement, être dans la communion avec des frères et sœurs, partager avec des frères et sœurs, avec d'autres chrétiens qui aiment le Seigneur, hein, et puis ensuite être de modèle, hein, dans le monde, tout simplement. Ok, d'accord, merci. Bon courage. Et je voulais aussi une BGC, s'il vous plaît. Donnez votre adresse et puis on va s'organiser, merci. Voilà mes amis, que le Seigneur soit béni. Alors on va attendre encore un dernier coup de fil. Voilà. Donc, c'est bon, les questions comme ça, ça nous permet de creuser dans les Écritures pour bien répondre, parce que on ne va pas répondre n'importe comment,
En tout cas, merci à vous tous hein, qui priez pour cette œuvre, qui nous soutenez par vos prières. Nous en avons besoin. Merci pour tout ce que Dieu fait dans vos vies, dans vos familles. Et voilà, en tout cas, prions les uns pour les autres et que le Seigneur soit glorifié. Nous avons un seul message, c'est Jésus. Voilà, Jésus-Christ, le Nazaréen. Un seul message. Et c'est lui. Donc, nous pouvons parler de l'enlèvement de l'Église et nous allons finir par parler de Yeshua. Nous pouvons parler de la sanctification, on va terminer avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui la base, c'est lui la racine, c'est lui, c'est de lui, c'est pour lui et c'est par lui que sont toutes choses. Voyez ? Donc, il est la source, il est l'origine de toutes choses, il est la raison pour laquelle les choses existent, il est, n'est-ce pas, le fondement de toutes choses. Il est la source, il est le moyen et il est la raison pour lesquelles toutes choses existent. Voilà. Donc la source de lui, le moyen par lui, la raison pour lui. Nous existons pour lui. Nous avons été créés par lui et pour lui. Vous voyez, nous sortons de lui. Nous allons vers Dieu par lui. Donc, Yeshua est vraiment le centre de toutes choses. Et nous voulons, au travers de ces médias qu'il nous a confiés, nous voulons toujours, toujours parler de lui. Matin, midi, soir, élever son nom, proclamer son nom, proclamer sa vérité, afin que vous découvriez, que vous connaissiez, que vous rencontriez le véritable Sauveur, Yeshua HaMashiach, notre Dieu. À lui seul, la gloire, la louange, l'honneur et les actions de grâce. Amen.